Eh bien, salut à tous les potes. J'espère que vous allez bien, que tu te portes bien, que ta famille se porte bien, les gars. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer. C'est une petite vidéo, une très très courte, les gars, pour mon Death Run. Donc voilà, je viens de créer mon propre Death Run. Donc voilà, n'hésitez pas à le tester, à regarder d'abord la vidéo. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à le tester en fin de vidéo. Le code s'affiche juste à l'écran. Donc voilà, tu testes et tout. Et il y aura un petit cadeau à gagner. Ça, c'est de 20 euros. Sur CD ou alors 20 euros PSN ou comme vous voulez. Donc ben, je vais vous montrer directement. Donc tout simplement les gars, ça épreuve basique. Donc pour vous dire les gars, c'est vraiment un Death Run tout minuscule, hein. C'est fait exprès comme ça. Ça va vous obliger à vraiment tryhard, à aller le plus vite possible. Donc voilà, vous n'allez pas trop rager. Donc ce que vous arrivez, hop, vous rentrez ici par le truc bleu, vous cassez, hop, les deux. Enfin, les deux côtés, quoi. Donc moi, je vais pas vous le faire, hein, parce que c'est mon Death Run, donc voilà. Donc là, tout simplement, vous arrivez dans un endroit gris-blanc. Donc là, vous avez quelques fenêtres pour laisser un peu de la luminosité. Donc tout simplement, ben ça, je pense que vous avez compris. On va pas se prendre la tête. Vous arrivez, vous sautez sur la première plateforme ici, la deuxième, la troisième. Donc après là, vous avez le grand saut, comme entre les deux ici. Donc voilà, vous avez le grand saut ici. Hop, donc essayez de pas tricher, voilà. Parce que c'est pas vraiment une map dure dure. Hop. Puis vous arrivez dans la pièce rouge ici. Pièce rouge, elle est grande, voilà, grande hauteur. Donc ce que vous arrivez, hop, vous arrivez ici, vous faites 90. Hop, voilà, ou des 180 comme vous voulez. Faites la technique parce que quand on arrive ici, hop, voilà. Et ce que je vais vous dire aussi, en arrivant ici, même en bas, vous l'utilisez où vous voulez. Vous pouvez utiliser votre bastion. Donc voilà, pour aller un peu plus vite. Mais vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois seulement. Donc voilà, qu'une seule fois. Donc faites attention à vous. Essayez de prendre un bastion qui, bah déjà, qui vous prend de la hauteur. Pas un bastion qui est juste pour vous cover, quoi. Donc voilà, vous arrivez dans l'autre pièce, la pièce jaune comme vous voyez. Tout simplement, vous avez des coffres de plus en plus loin. Vous devez le casser, tout simplement. Hop, vous voyez, c'est une case plus loin à chaque fois. Donc ça, c'est pas trop dur. Donc là, vous descendez. Hop, vous voyez qu'il y a... Ok, salut, Shaolin. C'est là ton pote. Donc voilà, vous arrivez dans l'autre pièce jaune du coup. Donc là, ce qu'il faut faire, très simple. Vous arrivez, vous sautez, vous prenez... Faut faire attention parce que la scar elle est un peu sur le bord. Donc si vous vous mettez là, vous l'avez pas. Donc faut rapprocher doucement. Ok, vous l'avez. Donc là, ce qu'il faut faire, tout simple. Vous tuez tous les bots. Voilà, tous les bots. C'est pas très compliqué. Je sais pas en combien de temps vous pouvez le faire, ça. Ok, je l'ai raté. Donc voilà. Après, vous avez deux coffres à casser de chaque côté. Donc voilà, c'est pas dur. Et puis, bah, vous descendez dans la cage jaune encore. Tout le reste est jaune. Donc là, ce que, bah là, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, personnellement, je cours, hop, tout droit. Puis là, plus besoin de toucher à quelque chose. Voilà, et vous allez terminer le Death Run. Tout simplement. Voilà. Donc voilà, vous arrivez ici, vous devez descendre. Et là, vous devez faire juste attention au coffre, casser le coffre. Et au moment où je vois que le coffre est cassé, eh ben, je vais regarder votre chrono en même temps. Et je vais voir combien de temps vous avez fait. Enfin, t'as capté. Voilà les potes. Vous avez vu combien c'était quoi comme des runs. Donc maintenant, à vous de le réaliser chez vous. Donc tu le réalises. Hop, après je te dirai quoi en commentaire. Le code de la map s'affiche à l'écran. Si vous faites le record, ou ouais, quand c'est vous qui avez le world record, les gars, n'hésitez pas à mettre le hashtag dans votre vidéo. Le hashtag LogoTopDeathRun. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Bon, sur ce, on va se laisser. La chaîne de Padax en description, les potes, parce qu'il m'a aidé un peu à faire ce Death Run. Donc merci à toi, les potes. Enfin, merci. What the fuck? Merci à vous, les potes. On a passé un super live tout à l'heure ensemble. Donc vraiment, merci à tous. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas mon code créateur. Ciao!